Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième vidéo du produit Microfocus Desktop Container. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une image basée sur une association de deux images. Donc pour être un peu plus synthétique, dans mon repository local d'images, j'ai un Firefox 15 ici et un Java ici. Je vais utiliser, donc je vais créer un conteneur qui va contenir du coup ces deux images là exécutées en même temps, ce qui va faire que je vais avoir du Java sur mon navigateur Firefox. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer que mon image Firefox ici ne possède pas de Java. On va l'exécuter uniquement, enfin simplement sur le sur mon poste. Voilà. Voilà. Tac. Donc si je vais ici dans About Plugins, voilà, donc il n'y a aucun plugin d'activé sur le Firefox. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Java. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer, enfin exécuter à la fois le Java ici présent en version 6.45 et ma version 15 de Firefox sans plugin. Voilà. Ce qui va avoir pour effet de créer ici un conteneur avec les deux applications. Donc oui, j'autorise cette application, je redémarre Firefox. Voilà, hop. Voilà, donc là, Firefox vient de redémarrer. On va tout de suite regarder. Voilà, un About Plugins. Et là, on voit bien que j'ai un Java 6.45, version 6.45, de positionner sur le navigateur. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin sur les modifications de l'application. Je vais fermer l'application, ce qui va avoir pour but de fermer mon conteneur. D'accord. Là, je reviens sur mes commandes. Et quand je fais donc un turbo conteneur, dans la liste de mes conteneurs, je vois bien ici un Firefox 15, version 15, qui a exécuté deux images. Donc ce qui nous intéresse, c'est de récupérer ces deux images et d'en former qu'une seule. Donc pour ce faire, on va commit, faire un commit du conteneur ici présent Firefox en lui donnant un nom. Par exemple, comme ceci, on va dire c'est une version 1. Voilà. Et je valide. Voilà, donc là vous voyez bien que je commit le conteneur Firefox qui était en haut en une image. Voilà, donc le commit est terminé. Je vais maintenant regarder la liste de mes images sont dans mon repo, et là je vois bien que j'ai l'image que je viens de créer, que je peux du coup réexécuter maintenant comme bon me semble. Voilà, donc là de nouveau visualiser le plugin sur le navigateur. Voilà, donc cette image là maintenant peut être exportée sur le serveur Microfocus Desktop Container pour être mise à disposition des utilisateurs. Voilà, donc dans la prochaine vidéo je vous présenterai des restrictions qui peuvent être faites par exemple sur des navigateurs ou sur des applications utilisant le réseau. Pour être autorisé à aller qu'à certains endroits sur le réseau. Voilà. Vous êtes limité à certaines machines ou certains noms de domaines.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain clip.